Bonjour tout le monde, ici Marc Daniel et bienvenue au 22e épisode de Sim Airport. Et puis aujourd'hui, gros travail à faire. On va refaire notre section bagages dans notre aéroport où ce que les gens ramassent les bagages au premier étage pour que ce soit plus beau puis plus gros aussi parce que c'est pas mal petit en ce moment. Bon, ok, voyons voir ici. Là, on veut tasser toutes nos affaires de bagages. Bon, on va faire plein d'affaires de bagages ici parce que éventuellement, on va avoir une petite grosse aéroport. Puis ça veut dire qu'il faut faire un petit peu de place. Donc, toutes nos affaires de première classe, de patente, de toilette, puis tout ça ici, là, checkez bien ça, c'est bien facile. Première chose à faire, zone, none, on enlève tout ça, zone. Et ensuite aussi, on fait construction, dismantel, enlève, oui, hein, je sais, enlève-moi tout ça, ça s'en va tout. C'est toute partie. Je veux... Hop là! Je veux tout ce que j'ai de besoin. Comme ça, je peux bâtir mon affaire ici. Autre chose qu'on va faire aussi, je pense, c'est qu'on va se bâtir une nouvelle fondation ici. Donc, ce que je veux faire, juste bâtir ici comme ça. Une petite barrière. Comme ça, ici, je peux défaire cette barrière-là. Puis, je peux agrandir ici ma fondation. Comme ça, on va avoir une place ici. Où est-ce que les gens vont venir ramasser leurs bagages, puis après ça, une place ici à l'extérieur des bagages, qui va être connectée avec la billetterie, puis comme ça, on peut avoir une genre de chambre de bain partagée entre les deux, ou une toilette partagée entre les deux, une place où est-ce que les gens vont aller, genre, se reposer, comme ça, ils arrêtent de faire le va-et-vient, puis tout de même, là, ça va être tout connecté ensemble. Là, comme eux, ils sont tout en train de faire ici, puis ils vont bâtir cette affaire-là, il y a une autre affaire, moi, que je veux régler ici, là, parce qu'ici, on a un escalator pour monter, un escalator pour descendre. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu que quand il y a. Ici, un gros avion qui arrive, tout le monde reste pris ici. Donc, tout ça dans ma tête, ça veut dire que l'escalateur ici, il faudrait qu'on le tasse. On le tasse, pourquoi? Pour ajouter des marches. Je vais ajouter des marches stairs. Des stairs ici de même, là. Comme ça. Donc, ça ferait escalateur, marche, escalateur, c'est ce que ça ferait. Puis ça ici, c'est de même, puis ça, ça serait de même. Ça fait là? Non. Ça fait là? Non. Peut-être parce qu'il y a quelque chose en dessous. Mais ce qui veut dire qu'ici, maintenant, on enlèverait le mur. On tasserait ça de un par en haut, et entre les deux, pardon, on mettrait des marches. Puis c'est le même modèle qu'on utiliserait ici, comme les gens passent par en dessous aussi pour aller à l'autre place. Ouais, je pense que c'est bien ça qu'on va faire. Là, ici, comme je dis ça, ici, on va faire s'assurer que nos gens ici continuent à faire ce qu'ils ont besoin de faire. Donc ici, on va dismanteler ça, ce qui est parfait. Là, je suis en train de réaliser ici, on va avoir un petit problème parce que les gens, pour sortir, ils passent par ici. Donc on va dismanteler ça, puis on va ajouter un « door ». Et c'est une petite porte, juste comme ça les gens peuvent sortir de la zone de bagages. Pop, de même. Et puis après ça, on va bâtir notre grosse fondation, comme ça les gens peuvent sortir. Donc, défais-moi tout ça. Parfait, excellent. Construction, fondation, comme ça. Boum. Puis comme tu me fais ça, toi ici, tu es en train d'enlever l'arbre, tu vas me bâtir une porte là, ce qui est parfait. Là, ici, moi j'ai un défi, c'est d'essayer de patenter ça tout en même temps pour pas que ça brise. Ce que j'ai déjà fait, parce que je veux pas que les gens restent pris. Donc, peut-être que la première chose à faire, c'est de bâtir un autre genre de... juste temporaire, des marches temporaires pour monter en haut. Juste temporaire, genre mettre ça là, ça va apparaître ici, ça là. On va mettre ça là de même. Comme ça, les gens, au moins, vont pouvoir monter. Ensuite, on va défaire cet escalator-là, on va le monter de 1, puis on va être bien bon de même. Comme ça, c'est en train de se faire ici, toi, on va dismanteler ça. Toi, ici, on va dismanteler ça. Le mur, ici, on va vouloir le continuer, je sais pas trop où encore. Peut-être comme jusque-là de même. Il va falloir qu'on place nos affaires de bagages ici pour figurer tout ça. Là. Mais il reste encore beaucoup de temps là, avant qu'on fasse tout ça. Là. Donc, bâtissez-moi tout ça. Parfait. Toi ici. Y a-t-il quelqu'un qui peut me bâtir ça ici? Les gens ont déjà commencé à utiliser les escaliers malgré le fait qu'ils n'existent même pas. Excellent. C'est super ça. Il y a beaucoup de demandes ici pour un guichet automatique aussi. Waouh! Ok, peut-être qu'on va ajouter ça tout de suite. Un guichet automatique en haut ici. Je savais pas qu'il y avait tant de demandes que ça. Pour des guichets automatiques. Où c'est qu'on pourrait mettre des guichets automatiques ici? On pourrait en mettre un ici, comme. Là, on pourrait en mettre un... ici. Là. Puis peut-être un dernier, comme là. Parce qu'ici, il y aura beaucoup, beaucoup de trafic, j'imagine. Donc, trois guichets automatiques en haut, ça devrait faire un petit peu du bien. Ok, voyons voir aussi qui sont mes affaires que je faisais ici. Donc, la beauté d'avoir une affaire de marche aussi, ça va faire ce que les gens puissent monter et descendre en même temps. Ils n'ont pas besoin d'utiliser l'escalateur. Seulement pour monter ou descendre, il n'y a pas besoin de rester pris là. S'il y a trop de monde sur l'escalateur, il peut monter puis descendre par les marches. Voilà les marches qui s'en viennent, excellent. Parfait, on va défaire cet escalateur là. Tout le monde va commencer à utiliser les marches. Ah, beaucoup de monde. Ok, puis ça ici c'est parfait, ça flotte même, ce qui est excellent. Là ici, il faut que je fasse bien attention parce que ça ici c'est une zone sécuritaire. Je vais vouloir juste vite ici, si je peux faire mon plancher, enlever tout ça parce que là ça a l'air super mélangeant là, cette affaire là. On va enlever tout ça. On va aussi, construction, enlever le mur.
ici. Sans enlever le mur là, parce que je veux garder ça là. Non, t'as un petit peu. Cancel. Parce qu'il y a une porte ici. Faut que j'enlève la porte en premier, puis je bouche le trou. Parce que sinon, ça va faire une zone pas sécuritaire. Oh, c'était proche, ça. Ouh, je viens de me sauver beaucoup de troubles. OK, ici, on est bon. Donc, voyons voir ici. Star. On va faire stairway up. Hop, hop, hop. De même, là. Et puis après ça, à côté, on va faire escalator. Hop. Comme ça. Donc, on a escalator, marche. Escalateur. Ce qui veut dire qu'ici, maintenant, si je fais ma planification, puis je change ça ici un petit peu, là, on va faire comme ça, puis ça va faire une ligne de plus, comme ça. Parce qu'on va avoir escalateur pour descendre, marche pour descendre, escalateur. Au début, je pensais avoir comme un mur entre les différents escalateurs qui sépareraient le tout, comme ça, mais en fin de compte, ben c'est pas ça qu'on va faire, parce que ça va juste pas fonctionner. Ça va aussi faire, est-ce qu'on va avoir un très, très petit couloir ici, pour que les gens puissent passer. Si j'ai de la place ici, je pourrais peut-être... Oups, pardon. Descendre ces affaires-là un petit peu. C'est dur un petit peu à dire. Mais en fait, c'est peut-être une bonne idée. On va laisser tout ça se bâtir en premier, là. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je pense que côté construction ici, je peux au moins défaire ces murs-là. Puis défaire ce mur-là. Boucher ce mur-ci. Attendre que ce mur-là soit bouché, ensuite défaire ce mur-là. OK, ouais. Ces affaires-là, maintenant, eux, je peux les tasser. Lui, je pourrais reculer de 1. Puis lui, je pourrais reculer de 2. Ce qui va faire un genre de couloir naturel ici. Puis après ça, on peut comme boucher le trou aussi, là. OK, toi, tu m'as tout fait ça de même. Parfait. Donc, dismantèle-moi ce gros mur-là. Parce que je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Puis je veux pas nécessairement le suivre. Évidemment, au début, moi, je pensais faire un mur genre qui suit la ligne bleue ici, là. OK, toi ici, dismantèle et dismantèle. Les gens peuvent encore monter ou descendre avec ces marches-là s'ils veulent. Toi ici, je devrais te switcher de direction. Parfait. OK, tout le monde, quand ils sortent par là. Check ça, il y a tellement de monde. Hey boy, OK, ça c'est bon. Si... Je suis en train de penser tout haut, là. Non, je veux pas vraiment le tasser plus que ça, parce qu'il y a quand même... Ça va être serré un petit peu ici, là. J'ai un genre de couloir ici, là, qui est un petit peu étrange, là. Donc ça, je pense que c'est bon. Stair. On met des marches ici pour monter en haut. Hop, hop, hop. Comme ça, mais on va les tasser de 1. Puis on va mettre l'escalateur ici. Puis là, on va le tasser de 1. OK, je pense que comme ça... Si je monte en haut ici, ça fait boum, boum, boum. C'est un petit peu étrange ici. Ce que je peux faire ici, vite, vite, juste pour que ça fasse un petit peu plus de sens, c'est que je peux juste enlever ça. Donc, ça va enlever les places où les gens peuvent s'asseoir ici. Ça va faire à ce qu'au moins ça ici, ça va être plus un genre de couloir. Je peux venir ici à Floors. Je peux changer ça à noir. Comme ça, c'est vraiment une place où les gens peuvent marcher. OK, bâtisse-moi tout ça. Et parfait. Là, maintenant, toi ici, on peut t'enlever. Je pense qu'on va être bon avec ça. Les gens vont juste ici, ces trois marches-là, pour y aller. Ce qui veut dire qu'ici, on va avoir un genre de mur en marche, si on veut. Waouh! Même avec... Même avec toutes les marches, c'est plein à craquer, c'est malade. Et hey boy, c'est occupé. OK, là, faut que je pense à mon affaire un petit peu, parce que là, ça ici, ça va être toutes les différentes places où les gens peuvent venir ramasser leur bagage. En ce moment, j'ai seulement une affaire de bagage, mais je suis en train de penser que peut-être je pourrais en avoir au moins deux ici pour commencer. Ça, c'est quoi ça? Un carrousel qui arrive d'en haut? Non, je vais mettre un carrousel qui arrive d'en bas. Je peux avoir une place pour mettre un carrousel qui arrive d'en haut. Non, d'en bas. From below, oui, parfait, c'est ça, OK. Donc ça de même, peut-être comme ça. Je vais laisser, disons, le premier, on va laisser vide. Comme ça, les gens peuvent venir quand même trouver la place où ce qu'ils veulent être. Donc, on va en mettre deux pour le moment. Boum. Boum. Ça veut dire qu'ici, il va falloir que je change un petit peu ma façon de faire. Combien j'en veux en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, si j'en mets seulement 5, si je te cancelle toi, j'en mets seulement 5, j'ai seulement besoin de une affaire de carrousel. Alors, tu peux juste faire ceux qui sont les deux dans la même direction. Parfait. Juste besoin d'une affaire de carrousel. Une affaire de même, de bagage. Donc, c'est ce qu'on va faire, ce qui veut dire qu'ici, maintenant, il faut que je fasse ma fondation, juste pour connecter le tout. On revenait de même, comme ça. Ça va être assez... Enfin, non, c'est pas vrai, ça, c'est pas assez. Je vais en avoir besoin de deux. Donc, on va faire ça comme ça. Comme ça. Parce qu'on va déboucher ce carrousel-là, puis on va faire tout le monde passer par ici, de même. OK, parfait. Bon, on va laisser ça se bâtir. Comme ça, c'est en train de se bâtir ici. Bon, on va voir ce qu'on va mettre notre mur. Un mur là, comme ça. Et comme ça, on va laisser ça ici déboucher pour le moment, mais évidemment, ça ici, ça va se reboucher. Là, la question, c'est est-ce que je mets mon mur ici ou est-ce que je mets mon mur ici à la ligne bleue comme je pensais au début? J'ai presque le goût de faire comme les deux. Peut-être qu'on pourrait faire là et là. Puis à partir d'ici, ça va de même parce qu'ici, il va y avoir plus de volume. Donc, c'est comme ça agrandit, ça bombe un petit peu si on veut. Là. Ce serait un mur plus diagonal si c'était vrai, entre guillemets. OK, ces affaires-là sont connectées. Pour quelle raison, lui, il est écrit à l'envers. Je sais pas trop c'est quoi son problème là-dessus. En dessous ici, ça ici, c'est tout patenté. Parfait. Ce qu'on va faire ici maintenant, on peut voir, on n'utilise pas celui-ci.
On utilise celui-ci, mais on n'utilise pas celui-là. Donc, on va jouer un petit peu avec ça ici. Là, on va faire dismantle ça. On va enlever tous les murs ici là, qu'on a. Là, comme ça, on peut au moins bâtir quelque chose. Ça ici, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Je ne sais pas trop exactement qu'est-ce qui se passe là. Puis malheureusement, c'est là que je les ai bâtis à l'envers. Hein, parce que, ouais, ils rentrent d'ici. Mais moi, mes affaires vont arriver d'ici. Là, donc, OK, attends un petit peu. La première chose peut-être qu'on devrait faire ici, c'est ajouter une fondation juste pour boucher le mur. Hop, tu me laisses pas le faire. Non, fondation, bouche le mur. Parfait, comme ça, au moins ça va être fait. Deuxième chose que je dois faire ici, c'est ajouter un autre de même, comme ça je peux en avoir deux qui descendent en parallèle. Troisième chose que je dois faire ici, c'est vous défaire puis vous rebâtir dans l'autre direction. Comme ça, au moins, je vais pouvoir me connecter comme il faut. C'est compliqué des affaires de bagage. Ok, voyons voir. Si je mets. Là, je vois rien, là. Pourquoi? Avec tout le texte, je vois rien. Ok. Attends, je veux dans cet ordre-là. Parce que en dessous ici. Ouais, c'est ça que je veux. Je veux dans cet ordre-là. Donc là, mais là tu me dis je peux pas. Pourquoi? Je sais pas, parce que tu l'as bâti là tantôt. Mais blocks, object, near, quelque chose. Ok, il est mélangé là, merde. Dismantel ça. Peut-être qu'il y a des affaires dans le chemin là, puis il réalise pas là. Peut-être qu'il y a rien dans le chemin, puis il réalise pas là. Peut-être que j'ai juste pas choisi de bon. Ça se peut que j'avais choisi celle-là qui arrivait d'en bas, au lieu d'arriver en haut. Ok, si je fais lui ici de même, je pense qu'on va être bon. Donc toi là, t'as peur, on devrait les séparer un petit peu. Toi là, et toi là. Ok, parfait. On va faire ça de même. Ça, ça va faire qu'en bas ici, ils vont se connecter là. C'est parfait. Ici, ça va se déboucher. Ce qui est parfait. Là, ici. On va attendre à la nuit. Puis on va changer ça à un. Tu peux comment que je change ça, là? Comment que je change lui? Ah, parfait. On va faire ce que lui produit. Donc, on va connecter lui là. Comme ça, ça va continuer à fonctionner. Mais après ça, ces deux-ci, on va les envoyer par là-bas. Donc, ici, je peux même commencer déjà, là. Je peux faire un conv. Et puis toi, Convator, je peux venir genre te connecter comme ça. Comme ça. On va essayer de se garder le plus de place possible. Et comme ça, ce qui est parfait. Le toit ici, wall, mur, construction. On va défaire le mur. Et puis, on va aussi faire un Convator, Conv. Qui va faire pas mal la même chose. Tu vas te rendre jusque là de même. Tu vas monter jusqu'en haut ici. Là, t'es mélangé parce que l'autre, il est pas bâti encore. Donc, on va attendre que l'autre soit bâti, puis après ça, on va figurer ça. Là. Toi, ici, tu vas te connecter, là, ici. Comme ça, c'est en train de se faire. Ah, si, il y a la chose, ça se passe, ça lâche pas. Mais moi, ici, ce que je veux, c'est une sortie de sécurité. Puis disons que ici, je vais en mettre une. Un petit peu de même. Une, deux. Et ici, une, deux. Parce que les gens peuvent sortir par là ou par là. Puis là, ici, maintenant, on peut défaire ce mur-ci. Puis on devrait être bon. Donc, construction. Démantèle. Le mur ici. Et boy, quand ça va être fait, imaginez, ça va être intense. Ça va être malade. Ok, toi t'es bon. Il est 9h et quelques, donc on a presque fini la journée de toute façon. Toi ici, Convator, je suis pas capable d'écrire. Convator, toi là de même, parfait, venez te connecter là, excellent. Monte, tu peux pas faire ça parce que tu peux pas en avoir deux qui suivent collés de même. Ben mange la chenoute. Construction, fondation. On va tirer la fondation, comme ça on a un petit peu plus de place, puis on va tasser toi dans un de même, parfait. Ok, là il est 10h, j'imagine que ça va être un autre dernier vol qui arrive à 10h, si je me trompe pas. Oui, donc on est pas mal bon ici, je pense, pour faire la grosse affaire qu'on a besoin de faire. Puis ça c'est... Êtes-vous prêts? On va attendre à ce que les gens reçoivent leur bagage, là, puis ils s'en vont pour la journée. Ok, ramassez vos bagages, sacrez votre camp. Ramassez vos bagages. Parfait, ok. C'était le dernier vol? Oui, parfait, ok. Toi maintenant, dismantèle, zone. Gros changement qui se passe en ce moment. Zone, votant zone. Toi t'es plus une zone, parfait. Baggage claim, c'est maintenant ici. Donc zone de bagage. Peut-être, disons, on va, je sais pas là, ça. Ok, ça c'est notre baggage claim. Là, pourquoi tu te plains? Parce que t'es pas connecté encore. Je sais que t'es pas connecté encore. Venez ici de te connecter. Enfin, toi ici. Dismantèle, enlève-moi ça. T'es pas connecté encore. À cause que tu pouvais pas te connecter encore. Parce que t'es en train de chialer. Ok, conv. Ah, si, je suis pas capable d'écrire conv. Conv. Parfait, comme ça. Toi, là de même. Monte jusqu'ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, tous les bagages vont arriver là. Ils vont venir ici. Il va en avoir deux. Les gens. Je sais pas comment on va faire pour décider c'est qui quelqu'un, là. Mais ça, c'est pas mal bon de même. Play site maintenant. Toi, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un mur. Mur, wall. Et puis, on peut juste boucher le trou. En fait, c'est Dredd là qui devrait boucher. J'hésite un petit peu en ce moment là parce que je vais enlever ces affaires là, mais si je les enlève, ça va faire un problème de sécurité. Donc je pense qu'avant de les enlever, il faut que je bâtisse un genre de faux mur juste alentour. Comme ça, je peux comme boucher de même. Ouais, je vais attendre qu'ils enlèvent la poubelle là.
je vais boucher le trou, puis après, c'est super compliqué pour rien. Parfait, ok. Mur, boucher le trou. Après ça, on va enlever ces deux affaires-là, puis après ça, on va être bon. Ok, bâtissez les murs. Bâtissez le mur. Bâtissez le dernier morceau du mur. Vous êtes bel et bien connectés, là, hein? Oui. Ok, parfait. Toi ici, maintenant, dismantèle. Dismantèle. Puis ici, on avait commencé un mur en zigzag. On peut peut-être le continuer. C'était 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va finir là, puis là, ben, toi, tu vas peut-être être pris... Non, tu vas pas être pris là. Faut que quelqu'un vienne faire ça. Puis c'est quand le premier vol y arrive? Le premier vol y arrive le matin à 6h, donc... Dans 2 heures, on va voir si nos nouveaux bagages fonctionnent. Mais ça, là, on va être bon. Ferme le mur. Parfait, donc on a le mur de zigzag. Excellent. Notre zone de sécurité, elle est sécuritaire. Dismantèle, enlève-moi tout ça. Tout ça. Et tout ça. Puis là, maintenant, tout ça ici... Ça peut donner une billetterie dans le futur. Ouh! Yeah! Ok! Wow! Wow! Tout un travail, ça!